nom de Jean-Jacques Cuisier, effectivement, et ex-gardien des buts de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'Espérance de Tunis, mais aussi de l'Africa Sport, du Stade d'Abidjan et du Laser Football Club. J'ai commencé à jouer au football depuis tout petit. Il faut dire que j'ai commencé dans le scolaire. On avait chez nous un championnat scolaire qu'on appelait Wassu. Et je pense que c'est à l'issue de ce championnat-là que je me suis fait distinguer. D'abord comme joueur de champ. Et comme j'avais plusieurs arcs aussi, j'avais plusieurs cordes aussi à mon arc, donc j'ai aussi participé comme handballeur. J'étais beaucoup plus connu comme handballeur avant de revenir définitivement au football. Donc on a commencé depuis tout jeune. Et après, on a continué dans les catégories minimes, cadettes, juniors et finalement seniors. Donc voilà, j'ai joué au Stade Abidjan où j'ai commencé tout jeune. Et après ça, je suis parti à l'Africa Sport. L'Africa Sport, je suis venu à l'Espérance de Tunis. Et voilà. Donc voilà, au niveau de mon parcours, je pense que j'ai été plusieurs fois avec le Stade d'Abidjan déjà champion de Côte d'Ivoire. J'ai été aussi vainqueur de la Coupe nationale en Côte d'Ivoire. Champion de Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport. Et aussi champion d'Afrique avec l'Africa Sport. Avant de venir à l'Espérance de Tunis, où par plusieurs fois, quand même, j'ai remporté le championnat ici. Et voilà. Donc, ça, c'est au niveau des clubs. Et au niveau de l'équipe nationale, effectivement, on a participé à plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, on a quand même participé aussi au Mondial 2006. Donc voilà, on a essayé de faire une équipe de Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, dont tout le monde a parlé pendant une bonne dizaine d'années. Et juste après ça, voilà, je pense que malheureusement, on n'a pas pu. J'ai été demi-finaliste, mais. Finaliste. Mais on a perdu la Coupe en 2006. Donc voilà. Donc, malheureusement, c'est un peu le point noir de ma carrière, un peu avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur moi, sur ma carrière sportive. Du sport, on est un peu dans des associations chrétiennes, donc voilà, croyant, donc on essaie d'apporter un peu au niveau du sport la parole de Dieu, on essaie d'apporter vraiment aux plus jeunes la parole de Dieu afin qu'ils puissent avoir un bon repère. Pouvoir continuer leur carrière. Nous, on est passé par là, donc on essaie d'apporter ce qu'on peut aujourd'hui. Donc voilà un peu ce dans quoi je suis. Et aujourd'hui, j'ai fini de jouer. J'ai fait une formation de formateur gardien de but. Et je suis resté au sein de mon dernier club, l'Espérance de Tunis, où aujourd'hui, on est en train de former des gardiens de but pour l'Espérance de Tunis, mais aussi pour l'équipe nationale de la Tunisie. Donc voilà, présentement, je suis employé de l'Espérance sportive de Tunis.